faire de la place Voltaire à ce nom, en plein cœur du quartier Palmer, une place jardin, ludique, sécurisée, près des écoles, tout en gardant les usages existants comme le stationnement, c'est l'ambition du chantier mené depuis octobre dernier sous la maîtrise d'ouvrage de Bordeaux Métropole. La réalisation de cet équipement public s'inscrit dans le cadre plus vaste du PAE Camille Pelletan, un programme d'aménagement d'ensemble sur le Haut-Senon. Et le projet consiste principalement à sécuriser les accès des écoles puisque nous sommes situés juste face à l'école élémentaire René Cassagne ainsi que face au RAZ. En complément de cette sécurisation, il a été bien sûr important d'étudier la remise en place du stationnement existant sur le site. Au total, ce sont près de 150 places de stationnement qui vont être aménagées de part et d'autre de la place. La partie sud, côté rue Alfred de Vigny, est opérationnelle avec ses quelques 85 places déjà occupées. Mais le chantier ne s'arrête pas là. Bah là, on est au cœur en fait, du jardin central de cette place. Donc un jardin qui est directement en lien avec l'école élémentaire et qui se veut être un lieu de convivialité et d'usage pour les enfants et les habitants du quartier. Donc on va trouver un certain nombre d'équipements. Donc on va avoir des tables pour accueillir les enfants à la sortie de l'école et quelques jeux, des trampolines. Sans oublier la végétalisation. On va embellir par le biais de plantations. On est sur un espace qui fait à peu près 10 000 m2 sur lequel on va planter 10 000 plantes et environ 150 arbres. Donc on peut dire effectivement qu'on aura un aménagement qualitatif situé au plein centre du cœur du quartier Palmer. Malgré le retard dû au confinement, la toute nouvelle place devrait être livrée d'ici la fin de cette année.